Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai adoré vous faire, j'espère qu'elle va vous plaire. Contrairement à ce que vous auriez pu croire en lisant le titre, je ne vais pas vous parler de nombre d'abonnés, même si grâce à cette vidéo je vous permettrai certainement de l'augmenter. Je préfère donc vous parler de quelque chose de plus important et de plus intéressant pour vous. J'aimerais vous donner tous les conseils nécessaires pour bien organiser votre chaîne et vos vidéos. Cela veut dire en plus bref, comment être la parfaite youtubeuse schlicheuse. Façon de parler bien sûr. Voici le sommaire. Vous pouvez cliquer sur la partie qui vous intéresse ou continuer la vidéo pour la regarder dans sa totalité. Vous pourrez revenir au sommaire à n'importe quel moment de cette vidéo en cliquant sur le bouton ici. Bon visionnage! Petite parenthèse, je sais que pas mal de personnes gèrent leur chaîne à partir d'une tablette. Personnellement, je préfère travailler sur mon ordinateur, c'est plus pratique. Je dis ça en fait parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo sont mes propres conseils et je les applique sur ordinateur. Donc il se peut que les sites web cités ne fonctionnent pas sur tablette. Vous êtes prévenus! Pour attirer les gens sur votre chaîne, il faut qu'elle soit belle à regarder. Ce que l'on voit en premier quand on arrive, c'est la forme. C'est-à-dire l'avatar, ou la photo de profil comme vous voulez, l'illustration de la chaîne, les miniatures des vidéos, et la vidéo de présentation. Il y a des chaînes auxquelles j'ai eu tout de suite envie de m'abonner grâce au soin du design. On a par exemple Dream Slash, Sweetie Slash, ou encore Le Hara des Fleurs. Et il y en a plein d'autres. Mais vous allez me dire, comment créer un design attirant? Avec quels outils? Eh bien c'est très simple, vous n'avez pas besoin de télécharger ou même d'acheter un logiciel exprès pour ça. Certains sites en ligne vous permettent de réaliser vos montages facilement. Les deux sites que je recommande sont d'abord PicMonkey, qui est très connu et permet de faire des miniatures amusantes autant que des avatars ou des illustrations de chaîne. Je ne vais pas vous faire de tutos parce qu'ils ont déjà été faits plein de fois, mais je vous conseille les tutos du Hara du Sapin pour faire votre avatar, votre miniature et votre illustration personnalisée avec PicMonkey. Je mettrai tous les liens en description. Et il y a ensuite Panzoid, qui permet aussi de créer son design, mais les mesures sont déjà calculées, et vous pouvez créer à l'infini ou presque. C'est un site en anglais, mais qui est très compréhensible dès qu'on a le coup de main. Je vous laisse une petite vidéo pour vous montrer rapidement comment procéder. Petite astuce au passage pour vos vidéos en voix off. Si vous ne voulez pas un fond noir et triste dans vos vidéos info par exemple, et que vous n'avez pas de belles photos sous la main, il existe un site internet sur lequel vous pouvez télécharger des images libres de droit. Cela évitera qu'on crie au plagiat si vous prenez des photos d'internet qui ont leurs droits réservés. C'est donc sur Pixabay que vous pouvez trouver toutes les photos que vous voulez sur n'importe quel thème. Je pense à une jeune Navy qui sur cette vidéo a pris des photos venant d'internet et s'excuse si certaines ont des droits d'auteur. Je lui ai partagé le lien, pourquoi pas à vous? Il y a aussi une petite chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui reste importante. C'est le pseudo. Et oui, un bon pseudo, court et facile à retenir, est important pour votre activité. Si vous faites des schlèches, les pseudos en deux mots sont très efficaces et très répandus. Par exemple, Horse Morgan Schlèche, Hippie Schlèche, Vava Schlèche, ou tout simplement Elia, Azaya, Équilibre, et plein d'autres exemples. Si vous appelez Nina et que vous faites des vidéos schlèches, choisissez Nina Schlèche par exemple. Je vous conseille aussi une vidéo de Hellcat qui explique comment choisir un bon pseudo YouTube. Avoir un bel avatar et des jolies miniatures ne fait pas tout. La qualité de la vidéo est tout aussi importante. J'ai regardé récemment une vidéo de la chaîne La Mezzanine qui donne 20 conseils pour YouTubeurs. Il est expliqué que la qualité audio est prioritaire à la qualité image. Je vous invite à aller la visionner en cliquant ici ou en description. Mais souvent, la qualité image est importante et il faut pouvoir montrer quelque chose de beau. Vous pouvez mettre une musique en fond pour mettre dans une ambiance. Préférez les musiques libres de droit, encore une fois, qui sont nombreuses dans la bibliothèque audio de YouTube. Ensuite, si vous n'avez pas de logiciel de montage pro, ce n'est pas grave. Movie Maker ou iMovie sont très bien pour les montages vidéo simples. Si vous voulez vous tourner vers les montages rythmés, là c'est autre chose. Pour en revenir au montage simple, il faut qu'il soit propre et soigné, avec du texte éventuellement et des coupures au moment inintéressant. La vidéo sera d'autant plus sympa. Mais bon, je vais pas vous apprendre à faire un montage. Hein.
Et enfin, il y a les fonds de vidéo. Quand vous filmez un tag, ou n'importe quelle vidéo d'ailleurs, il est important de préparer le fond. Encore une fois, Ara du Sapin a fait une vidéo sur ce sujet que je vous mets ici et en description. Ce qui est bien pour accroître votre notoriété, c'est de pouvoir être joignable par un autre moyen que YouTube. Il faut que vous proposiez plusieurs plateformes où vous joindre. Je pense que déjà le mail est important. Tout le monde a accès à une messagerie, qu'il soit inscrit ou non, sur YouTube. Ensuite, il y a plein d'autres réseaux sociaux. Personnellement, je préfère Instagram et Skyrock pour poster des articles info. J'ai remarqué d'ailleurs que plusieurs schlécheuses avaient créé leur propre blog sur cette plateforme et je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, pour vous connaître mieux, il est important d'écrire un petit paragraphe dans la page à propos de votre chaîne. Ça permet aussi de savoir ce que vous faites comme type de vidéo et où vous joindre. Et enfin, il est important de faire une vidéo présentation de votre chaîne que vous mettez en bande-annonce sur la page d'accueil. Au moins, on est tout de suite au courant de vos activités sur YouTube et on s'abonne plus facilement si celle-ci est bien faite. Il y a aussi un autre point dont je voulais vous parler par rapport aux onglets de la chaîne. Je ne savais pas si je devais le mettre dans la partie visuelle ou technique puisque ça peut aller dans les deux. Donc c'est à propos des playlists de vidéos. C'est un détail, mais je pense qu'il est important de ranger ces vidéos par catégorie pour qu'on retrouve plus facilement ce que l'on cherche si on veut revoir une ancienne vidéo sans chercher dans l'onglet vidéo pendant des heures. On sait tous que la régularité de postes de vidéos est importante pour la croissance de votre chaîne. Personnellement, je poste minimum une vidéo par semaine. Quand j'ai plus le temps, pendant les vacances d'été par exemple, je pourrais être plus active et poster 2 vidéos par semaine. Et quand je n'ai vraiment pas le temps, j'essaye de poster environ toutes les 2 semaines. Par contre, je vous déconseille de poster plus de 2 à 3 vidéos par semaine, surtout si vous êtes encore un petit nombre d'abonnés. Pourquoi? Tout simplement parce que les abonnés, qui sont peu nombreux, n'auront pas le temps de voir toutes vos vidéos et vont donc en zapper quelques-unes. Préférez la qualité à la quantité, surtout pour le début. La première impression est toujours très difficile à enlever si elle est négative. Ma petite astuce est de filmer plusieurs vidéos un même jour quand vous avez le temps et comme ça de pouvoir la poster même si vous n'avez pas eu le temps de tourner. Ensuite, pensez à avoir une intro et éventuellement une outro. Ça fait plus organisé et plus professionnel. Ça montre que vous êtes passionné. Pensez aussi à la longueur de vidéo. En général, les vidéos trop longues sont moins intéressantes. Pour les vidéos tag, par exemple, essayez de ne pas dépasser les 10 minutes environ. Pareil pour les vidéos achat ou info. Et enfin, soyez naturel quand vous parlez. N'essayez pas de jouer un rôle. Soyez vous-même. Je voulais aussi vous partager une astuce qui m'a été beaucoup demandée. C'est cette fameuse question, comment publier ses vidéos plus vite? Eh oui, on connaît tous cette galère de devoir attendre je ne sais combien d'heures pour que la vidéo soit publiée, alors qu'elle ne dure que quelques minutes. Eh bien les amis, j'ai la solution. C'est en fait un petit logiciel très simple qui s'appelle Handbrake. Oui, ça veut dire vraiment en anglais, mais on s'en fout. Donc ce logiciel permet de diminuer le poids de vos vidéos tout en gardant sa qualité initiale. Voici comment procéder. Que c'est dur d'être original et de se démarquer sur YouTube quand tout a déjà été fait. Comment être original? Comment trouver des idées de vidéos qui vont plaire? Toutes ces questions se rejoignent un peu. En fait, pour être original, il ne faut pas trop s'inspirer des autres. Le mieux est de trouver une idée révolutionnaire qui n'a jamais été pensée. Bon, c'est pas facile, c'est vrai, mais vous savez, c'est quand on arrête de chercher que l'on trouve. Alors inspirez-vous de tout, et si vous n'avez pas d'idée, reprenez les concepts d'autres vidéastes en le mixant un peu à votre sauce. Regardez ce que font les autres, peut-être que ça fera germer des idées dans votre tête. Soyez également appliqué dans votre travail. Mais ça veut dire quoi et comment le faire? Eh bien, même si vous n'avez pas le Canon 700D ou même Vegas Pro, vous pouvez tout à fait l'être. Il suffit de prendre son temps pour écrire un scénario, filmer une vidéo et la monter. On en revient au montage vidéo. Faites des montages interactifs qui ne sont pas ennuyants mais qui sortent du lot. Pour ça, on a un exemple parfait qui est le clan du torrent. Si vous la suivez, vous savez que ces vidéos sont très sympas à regarder et qu'on y prend plaisir. Et vient ensuite la question de l'humour. Doit-on être drôle pour faire des vidéos? Mais non, voyons. Si ce n'est pas votre nature, si vous ne vous trouvez pas drôle, n'essayez pas de l'être. C'est ce que je disais dans le chapitre précédent. Soyez vous-même. L'humour viendra tout seul.
Je vois beaucoup de personnes organiser des concours alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas un jugement, mais je pense qu'il est plus judicieux de commencer par vous présenter, vous et votre chaîne, avant d'organiser des concours ou des sondages. Laissez le temps aux internautes de vous découvrir, vous et votre travail. Et pour finir en beauté, évitez à tout prix les commentaires. Tu t'abonnes, Jurand ? Abonne-toi à ma chaîne ! Passe voir ma chaîne ! Et tout autre dérivé possible. Si vous méritez vos abonnés, il n'y a pas besoin de faire de pub pour votre chaîne. Pour vous faire connaître, le mieux est de passer sur les autres chaînes, de commenter leurs vidéos, et si votre avatar et votre pseudo sont attirants, on passera sur la vôtre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et que vous prendrez en compte mes conseils pour votre chaîne. J'ai certainement oublié des choses, alors si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Et n'oubliez pas, faites des vidéos par passion et non pour le nombre d'abonnés, qui ne représente pas grand-chose selon moi. Les likes et les commentaires sont bien plus importants. Sur ce, je vous laisse méditer. À bientôt!